Promet d'éducation qui organise le concours d'éloquence. C'est la deuxième saison et la deuxième édition de nos concours d'éloquence. Et l'objectif, c'est de vous rendre aussi à l'aise, autant à l'aise, verbe à la bouche, si j'ose dire, et donc avec la parole. Moi, je m'appelle Alexis, je suis attaquant et j'ai pour l'instant de Paris. Et j'aime bien les aéroports. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La première séance, on a été divisé en deux groupes. Ensuite, on est allé dans une salle et on a fait des exercices pour parler clairement, parler de plus en plus fort, et on a essayé de débattre, quoi. C'était compliqué un peu parce que c'était la première fois qu'on fait ça, mais sinon au fur et à mesure de la séance, ça a été de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, comme j'ai dit, un peu plus compact, il y aura connaître les bases de l'argumentation, apprendre à défendre son point de vue, être le plus convaincant possible. On va voir les différentes manières de se faire comprendre et d'être convaincant. Est-ce qu'on va sensibiliser par les émotions? Est-ce qu'on va donner des arguments logiques? On va essayer aussi de vous donner une ligne directrice sur votre discours, c'est-à-dire avoir un objectif en tête et le suivre. Et puis réussir aussi à se concentrer sur l'essentiel pour être le plus convaincant possible. Un sport n'est pas obligatoirement un sport physique, et ça peut être un sport mental, comme par exemple les échecs, où il n'y a pas besoin de sport physique, et pourtant c'est un sport. Nous avons pu effectuer un sondage. Sur 70% des personnes que nous avons interrogées ont affirmé que le e-sport n'est pas un sport. Oui, alors dans un premier temps, on a essayé de les mettre à l'aise pour parler à l'oral, donc c'était plus d'exercices pour parler fort, avec la gestuelle, etc. Et aujourd'hui, on a pu travailler sur les arguments, et c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment vu une progression. Même au cours de la séance, ils étaient plus à l'aise, ils arrivaient mieux à structurer leurs arguments, leurs discours. Donc puis, ça avance bien. Aujourd'hui, c'est même des... Enfin, je veux dire, on mobilise des compétences qui sont parfois compliquées. Et là, ils ont su convaincre avec les émotions, convaincre avec des données statistiques, savoir se placer en expert, savoir utiliser le logos, le pathos. Et on a vraiment vu des progrès, donc on est super heureux. En vrai, faut qu'on bosse encore parce que ça bug encore, mais... Après, c'était super, ça fait du bien. On arrive. Restez branchés. Merci. Hier soir, j'étais partie en Amérique et j'ai trouvé un ordinateur. J'ai trouvé un ordinateur qui était par terre. Je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai donné à ma mère. C'était un ordinateur Apple. Elles écoutent mieux. C'est la personne qui a marqué. De par le fait que la prime de but est plus importante que la prime de passe. Tu commences en rap et tu vas dans les aigus. Là tu fais... Un autre. Et on peut changer de voyelle aussi après si on est qui. On peut le faire en I. Vas-y Laurent. I. Bien joué, très bien. Tous les A vont parler en même temps à tous les B. Une fois le temps écoulé, les B devront chacun leur tour dire ce qu'ils ont compris de l'histoire qui leur a été racontée. Elle m'a dit qu'il veut pas parler avec toi. Les arguments, ils ont beau être les mêmes, quelqu'un qui va parler fort en regardant les gens, ça change tout dans son discours, absolument tout. Et à côté, il y a le deuxième point, c'est que là, il y a plusieurs, enfin, tessitures, il y a les plus graves aux aigus, et dans un discours, on reste pas monotone, on fait aussi passer sa voix des aigus au grave et tout ça, parce qu'en fonction des émotions qu'on veut transmettre, soit on parle de manière plus grave, de manière plus aiguë. Et ça change tout d'avoir cette voix qui peut être modifiée parce que ça va correspondre au discours qu'on veut avoir. C'est combien?
Mettez vous direct au téléphone. Ouais. Je veux pas que ça le sujet, c'est le y a-t-il du racisme dans le football, et je l'ai pris parce qu'on n'en parle pas assez souvent et il y en a beaucoup dans le football. On va arriver là sur la phase définitive du concours d'éloquence, c'est-à-dire qu'on passe à la rédaction des plaidoiries, on arrive à la phase à laquelle les joueurs ont déjà toutes les compétences en main pour savoir ce qu'ils vont devoir dire, comment ils vont devoir se comporter, comment ils vont bouger lors de leur plaidoirie, et on est plus dans la rédaction aujourd'hui des arguments et dans l'organisation de la plaidoirie. J'ai décidé de prendre un sujet hors football pour essayer d'apporter un peu d'originalité et de changer un peu d'univers pour découvrir un peu un autre aspect, je pense. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir à mes idées. J'ai pas encore d'arguments fixes, mais je suis en train de travailler pour trouver beaucoup d'arguments et être convaincant. La prochaine étape, ça va être la mise en place de binômes joueurs et intervenants de Prométhée Éducation qui vont aider personnellement les joueurs à la rédaction de leur plaidoirie. L'idée, c'est vraiment pas de se substituer aux joueurs dans la rédaction du texte, c'est vraiment que le joueur fasse ses arguments, et nous on est là pour aider à la mise en forme, et voilà, ce sera la prochaine étape avant la finale. Tu donnes les phrases de ton argument que tu as lié avec le sujet, et après tu donnes ton exemple, et là tu as trouvé des exemples. Non, pas stressé, mais je me demande qui va y avoir, comment ça va être, mais je pense que ça va être bien, mais pas stressé. Non, je me sens un peu confiant. J'ai hâte de découvrir comment ça va se passer, parce que c'est la première fois que je participe à un concours comme ça. Et ouais, j'ai hâte, je pense que ça va être bien. Est-ce que tu penses quoi, quel est le fait qu'il y ait plein de stars qui viennent au PSG? C'est peut-être de leur dire la photo.